On se retrouve lundi matin. On vient de rentrer de Paris. On est passé, on a fait un petit passage donc par Orléans. On est parti donc pour vous recontextualiser tout ça si vous n'avez pas vu le vlog avant sur notre escapade à Paris. En fait, c'est pas notre escapade à Paris, c'est plutôt notre escapade à Disney parce que c'était vraiment là où on voulait aller. Tout le reste n'a été qu'accessoire. On va dire ça comme ça. Mais vraiment, nous, on voulait se rendre à Disney, on voulait passer la journée à Disney avec notre petite puce qui ne l'avait jamais fait. Ça fait 13 ans, on a calculé avec Max 12 ans, je sais plus, 12 ou 13 ans qu'on n'y était pas allé. On l'avait fait qu'une seule fois d'ailleurs ensemble. Et donc, bah, c'était vraiment l'occasion de faire découvrir Disneyland à notre petite. Et qui a 9 ans, donc elle a vraiment pu en profiter, en plus, vraiment se rendre compte des choses. Et en même temps, bah nous, ça nous a mis des paillettes plein les yeux. En plus, c'était au moment de Noël, donc toutes les décorations de Noël. Bref, si ça vous intéresse, je vous invite à voir le vlog que j'ai fait juste avant, que j'ai posté juste avant. Et là, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai rapporté, en fait, de notre périple. On est parti mercredi soir, tard, parce que notre fille a cours de dessin jusqu'à 19h30, donc on l'a récupérée, on est parti. On est allé dormir à Brive. De là, on avait prévu en fait, de visiter Limoges, et puis on s'est rendu compte que si on avait des bouchons à Paris, en fait, on ne pourrait pas visiter. En fait, on avait vu un petit magasin du côté de là où on dormait. The Store Canada et États-Unis. Voilà, c'était ce petit magasin où moi je voulais absolument, absolument aller et qui était à 2 minutes de l'appartement à pied qu'on avait réservé, donc à Bailly-Romainvilliers. Et alors Bailly-Romainvilliers, super beau, magnifique petit endroit avec des petites maisons à l'américaine, style justement, je sais, il y a eu beaucoup l'influence de Disney pour reconstruire la ville. Et du coup, on voit la ville est hyper propre, les maisons sont très... ouais, elles sont un peu typées à l'américaine, mais en mode un peu, je sais pas comment dire, c'est un peu, on se croirait déjà un peu dans le village de Disney, en fait, quand on y va. Donc c'est vraiment très chouette. Et puis Maxime avait vu, il y a une énorme galerie juste à côté, un énorme centre commercial. Alors lui, il était très intrigué, il avait envie de... bon, il se fiche complètement des magasins, c'est pas du tout son truc. Par contre, il aime beaucoup l'architecture, il aime beaucoup, il est très curieux en fait. C'est vraiment quelqu'un de très curieux et du coup, il avait envie de découvrir un peu, voir ce que c'était parce que c'est absolument immense. Et il y a toute une partie avec les boutiques de luxe qui sont à l'extérieur et qui forment en fait comme un petit village dans lequel on peut déambuler. Et moi, j'avais envie d'aller voir ça, non pas pour les boutiques de luxe parce que. Pas du tout, je vous avoue, mais par contre pour le côté j'étais sûre en fait qu'il y aurait déjà les illuminations de Noël, les installations de Noël, les lumières de Noël, et moi j'avais très envie justement d'aller voir un petit peu ce que ça donnait et j'ai vraiment pas été déçue, c'était très très joli. Par contre à l'intérieur du coup du grand magasin, vraiment il n'y avait pas de décoration de Noël et il n'y en avait vraiment que sur cette partie là où on est à l'extérieur, on déambule entre les petites boutiques, c'est hyper romantique, il y a des... enfin, nous on y était la nuit, donc en plus il y avait toutes les belles lumières. Et donc, ça c'était pour le jeudi, quand on est revenu, quand on est arrivé dans notre petit village de Bailly-Romainvilliers. Et ensuite, on a fait Disney le vendredi, et le samedi, on est allé à Paris. Le samedi soir, on a dormi à Orléans pour se couper un petit peu la route parce que Toulouse-Disney, on en avait pour 7 heures de route sans les bouchons à Paris qui nous ont rajouté 1h30. Donc en fait, du coup, on a visité Orléans et ensuite on est reparti vers midi. On a fait un petit pique-nique dans la voiture, on est reparti à midi pour arriver ici. Alors il fait encore très froid, on est rentré dans la maison, il faisait 13. C'est une maison qui est inchauffable, donc du coup, difficilement chauffable. Donc du coup, voilà, j'ai encore ma petite écharpe autour de moi, de mon cou, pour pas avoir froid. Et je vais vous montrer tout ça. Alors je vais vous montrer d'abord, je vais le faire par ordre de,
d'achat, j'ai envie de dire. C'est-à-dire la première journée quand on allait dans le store Canada-États-Unis. Et puis ensuite à Disney et etc. quoi. Voilà, Paris, etc. Alors, je vais juste commencer par mon cadeau d'anniversaire. Puisque du coup, Maxime, mon anniversaire début novembre, Maxime me demandait ce que je voulais. Je lui dis, hop, 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 attends, ne m'offre rien, on va à Disney dans quelques semaines, donc je suis sûre de trouver quelque chose là-bas. Je ne sais pas ce que ce sera. Mais voilà, attends ce moment-là pour justement m'offrir ce qui me fera plaisir à ce moment-là. Et ça n'a pas loupé, évidemment, hein, j'ai trouvé, ça y est, pas de problème à ce niveau-là. Et je vais vous montrer ça. Donc, j'ai trouvé la magnifique sculpture de Jack. C'est Jack et Zéro, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, voilà, d'un petit peu plus près. C'est Jim Shore, vous savez, qui fait ça. Et voyez, on dirait que c'est du bois. Alors, c'est pas du tout du bois, hein, c'est de la résine. Mais voilà, c'est Jim Shore pour les collections Enesco, que j'adore. Vous savez, à Enesco, j'ai déjà des petites souris, des toutes petites souris. Pas du tout dans la même collection, en mode un petit peu travaillé en bois, et que j'avais trouvé au Canada. Et voilà, donc celle-ci, je ne l'ai pas trouvée à Disney. Si vous la cherchez, elle n'y est pas. Je l'ai trouvée justement dans le petit store Canada-États-Unis, donc celui-ci. J'ai complètement craqué dessus et comme je ne l'avais pas vue à Disney, du coup on est retourné le samedi matin à la petite boutique pour pouvoir le récupérer avant de partir sur Paris. Voilà. Ensuite, il m'a offert, et ça je les ai trouvés à Disney, donc pareil, hein, dans la même collection, hein, Lumière. Je suis une grande fan de La Belle et la Bête. C'est l'un de mes dessins animés préférés, La Belle et la Bête, et elle a des petites bulles, j'avais pas vu. La Belle et la Bête et Mulan, ce sont vraiment mes deux chouchous préférés. Et du coup, pour aller avec, normalement il y avait un petit Big Ben, mais dans la même collection, mais en fait je le trouvais pas très joli dans la même collection, le Big Ben. Par contre, pour Noël, ils avaient des petites... Des petits Big Ben comme ça accrochés au sapin, et du coup j'ai préféré prendre celui-là, donc voilà, je me suis fait c'est mes trois petits cadeaux, enfin petits, pas du tout petits, hein, parce que Jack c'est un très beau cadeau, et vous voyez, ils vont bien ensemble, donc je suis vraiment contente d'avoir pris ces deux-là. Le Big Ben, il était, je sais pas, je le trouvais pas très bien travaillé, donc voilà, une préférence pour celui-là. Il va très bien, ils iront très bien à côté. Donc ça, c'est super. Donc ça, c'était mes cadeaux d'anniversaire. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé dans cette boutique. Alors, je me suis acheté une grosse, grosse tasse en émail. Voilà. Je l'ai trouvée absolument parfaite pour Noël. Je la trouve vraiment, là je m'imagine vraiment bien un bon chocolat chaud. Je bois, vous savez, je bois jamais de chocolat chaud, j'en bois que au moment de Noël, je m'en fais un. Ça me donne un petit peu mal au ventre. Donc du coup, même avec du lait d'amande ou de soja, voilà, c'est pas toujours gagné. Donc généralement, je me fais ce petit plaisir une fois par an et au moment de Noël. Ça, c'est un cadeau. Je sais que la personne ne le verra pas, donc là, je peux vous le montrer. Il y avait toute une partie aussi épicerie. Et j'ai pris Alors, j'ai pris lequel ? J'en ai pris trois. Et il y avait des chocolats, justement, à faire fondre. Vous voyez, c'est des copeaux de chocolat. Il y en avait un saveur gingerbread. J'en ai pris un saveur cinnamon. Donc ça, c'est celui qu'on va se garder. Et il y en a un chili. Ça, c'est pour Maxime, ici. Il adore les trucs épicés.
la caméra n'avait plus de batterie, donc c'est l'occasion de se prendre un petit café. Et si vous vous posez la question, j'ai trouvé cette tasse à Action. Elle est parfaite pour la taille café, enfin pour, ça dépend de quelle taille vous prenez vos cafés, mais en tout cas là, un petit café au lait de noisette, c'est bien, j'ai trop froid. Alors, je crois que je vous ai montré les trois chocolats en grains que j'ai achetés, dont le dernier au Chili pour Maxime, qui lui aime beaucoup les choses pimentées. Moi, pas du tout, hein. Vous mettez une petite pointe de piment, j'explose. Mais lui, il est un peu fan. Donc du coup, j'ai aussi trouvé ce tabasco plus piment, tout pimenté en haut. Donc qui lui sera exclusivement réservé, évidemment. Voilà, mais c'est vrai qu'on n'en trouve pas dans les petites boutiques. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas trouvé là dans les grandes surfaces ou les boutiques traditionnelles. Et une bière, parce qu'il est très très fan de bière, donc une bière à la citrouille pour lui. Voilà. Moi c'est pareil, la bière, je pense, je l'apprécie pas à sa juste valeur. Je suis pas très bière. J'ai trouvé aussi des petites crèmes à l'érable. Voilà, ça c'est pour un cadeau. Les petites crèmes à l'érable. Ça me semble bien moelleux, j'en piquerai bien une comme ça, mais non, c'est un cadeau. Donc avec le petit chocolat gingerbread, voilà, c'est pour mon beau-frère, qui ne regardera pas cette vidéo, alors j'ai aucun... Donc c'est bon, je peux vous le dire, il n'en saura rien avant le jour J. Ensuite, j'ai craqué en faire ce petit pot. Je sais exactement ce que je vais en faire, je vais mettre en fait le pied de mon sapin dedans. Voilà, sinon j'en ferai une petite déco de table, je pense, avec des feuilles qui vont aller dans tous les sens. Je la trouve trop belle. J'ai beaucoup hésité avant de la prendre, et c'est en revenant le dimanche pour le fameux Jack que j'ai fait « Allez, c'est bon, je le prends ». De toute façon, voilà, je pourrais pas revenir, c'est donc maintenant ou jamais. J'ai aussi craqué pour ce magnifique faux livre. C'est une boîte. C'est une très grande boîte. Alors je me disais, ça peut être sympa soit de la mettre en déco sur la table basse et mettre à l'intérieur les télécommandes de la télé, etc. pour cacher. Après, elle est vraiment grande. Donc j'aurais peut-être dû en prendre une petite pour mettre les télécommandes de la télé. Ça aurait pu être pas mal. Mais je pense que je trouverai une petite boîte, je trouverai autre chose, c'est pas grave. La déco, elle va être absolument magnifique, quoi. Ça fait un super beau livre. J'adore. Vraiment, j'adore. Voilà. Puis la tranche. La tranche est vachement sympa aussi. Après, pour la ranger dans l'étagère, ça va être très chouette. Et pour terminer, j'ai craqué sur ce tout petit coussin. Il est pas trop choupinou. Oh, franchement, je l'ai trouvé trop beau. Avec l'ours comme ça, tout en broderie. En fait, le petit tour derrière, il est avec des petits carreaux, le tour en carreaux, comme ça. Je l'ai trouvé, mais hyper mignon. Franchement, j'ai complètement craqué dessus. L'an dernier, j'avais craqué à Maison du Monde, et je sais qu'ils les ont encore, celui-là. Et il est super joli sur mon canapé. Et ben cette année, il va être rejoint par celui-là. Voilà. D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite à côté. Et c'est super choupinou. Donc ensuite, je vous ai dit qu'on était allé se balader dans ce fameux centre commercial. On a donc fait principalement l'extérieur, puisque le but, c'était de se promener et voir les lumières de Noël et s'ambiancer de Noël avant d'aller à Disney. Toutefois, dans ce petit village à l'extérieur où il y a ces fameuses boutiques de luxe, il y avait un Villeroy & Bosch. Villeroy & Bosch, c'est pas excessif non plus au niveau des prix. Enfin, j'ai vu des trucs. Voilà, chacun son budget. Il se trouve qu'à Villeroy & Bosch, puisqu'on était en plein moment du Black Friday, il faisait pas mal de prix super intéressants, on était à moins 30, moins 40% sur certaines petites choses. Et l'an dernier, je les avais vus, mais sur internet, donc on se rend pas forcément compte sur internet de ce que ça rend vraiment en vrai.
Et là, j'ai pu rentrer dans la boutique, voir ce que ça donne. Alors, il y en a un à Toulouse, mais en fait, on va jamais dans Toulouse, puisque nous, on est quand même à l'extérieur de Toulouse. Même avant, quand on avait notre maison un petit peu plus loin, un petit peu plus près de Toulouse, on était quand même sur la périphérie. Donc, je suis pas fan, moi, des grandes villes. Voilà, j'aime beaucoup me balader pour voir les bâtiments. Mais je suis pas fan du monde, du bruit. Voilà, j'y vais à de rares occasions, généralement pour aller faire les marchés de Noël. Et c'est tout. Donc, je les avais jamais vraiment vus. Ces petites assiettes, ces petites coupelles. J'avais acheté, vous savez, l'an dernier, les deux torchons avec ce motif-là. Et donc là, j'ai pris la toute petite soucoupe. Il y en avait une un petit peu plus grande par rapport à ma main, vous voyez. C'est presque la taille de ma main, tout petit peu plus grande. Voilà, j'ai pas craqué sur le gros modèle et tout. Je me suis dit non, le petit modèle ce sera bien, plus facile à ranger aussi. Ça pourra mettre des petits. Soit je pourrais y mettre mes petits sachets de thé, soit je pourrais. Bon, elle est un peu grande quand même pour mettre son sachet de thé, mais voilà, des petites choses à grignoter. Ça m'allait très bien. Donc j'ai pris ce petit modèle et j'ai craqué sur un autre. C'est Maxime aussi qui a surtout craqué, peut-être sur celle-là. Mais c'est très beau aussi et j'ai complètement craqué aussi dessus. Voilà, pour celui-ci. Je vous le montre d'un petit peu plus près. C'est donc une maison en pain d'épices avec un sapin, une petite luge, en forme d'étoile, donc plus grand si jamais on veut mettre plus de choses, comme des chips ou je sais pas. Ça reste quand même un plat un petit peu plus gros. J'y mettrai pas mes gros... comment ça s'appelle? J'adore faire cette recette. On en a mangé d'ailleurs à Disney, c'est la seule chose alimentaire qu'on a acheté là-bas. Mince. Des bretzels. les gros avec vraiment des gros bretzels, pas les petits bretzels apéritifs qu'on trouve dans le commerce, mais vraiment les gros alsaciens. Voilà, donc vous savez, j'en fais à chaque fois pour Noël. Et ça rentrera pas dedans, je pense, hein, parce que c'est vraiment très gros, c'est comme du pain. Donc ça, c'est pour mon petit craquage à Villeroy et Bosch. Ça va. Franchement, c'était hyper raisonnable, hein, parce qu'au final, à moins 40%, c'était vraiment très très abordable. Et je suis super contente d'avoir pu trouver ça, de les avoir vus en vrai, puis de m'être dit « Ah ouais, si, c'est quand même joli, je vais le prendre. » Alors maintenant, parlons de Disney. Déjà, comment vous dire que les boutiques de Disney sont juste absolument magnifiques. C'est superbe. En fait, quand je vois ces maisons, quand je vois aussi les motifs, les décors, soit que l'on faisait avant, quand on s'est baladé dans Orléans, on a vu des maisons absolument superbes, je me dis, mais comment aujourd'hui, et désolé, ça va être un peu cru, mais comment aujourd'hui on arrive à faire des bâtiments aussi moches, alors qu'on est capable de faire des choses aussi belles? Mais mince quand même, c'est dommage, c'est vraiment dommage, mais soit on a complètement perdu un savoir-faire, soit c'est juste qu'on veut aller vite et du coup, on veut standardiser, aller vite et puis on se prend pas la tête et on fait plus des belles moulures autour des portes, autour des fenêtres, on fait plus tout ce genre de choses quoi. Je trouve ça fou, je trouve ça tellement dommage, c'est... Voilà. Bon bref, les boutiques de Disney sont absolument magnifiques. Il y en avait au-dessus avec carrément des vitraux, des plafonniers de vitraux. Enfin, c'était d'une beauté. Ça m'a ambiancée. Hein. Mais j'ai pas trop craqué. J'ai été quand même super raisonnable. Voilà. Je me suis fait plaisir, mais j'ai été quand même raisonnable. J'ai acheté pas mal de petites choses en fait pour mettre dans le sapin, puisque forcément. Comme on était période de Noël. Encore les étiquettes. Je suis désolée, mais je remarque que ça va vous servir là pour voir. J'ai pris un petit Mickey qui met sa petite couronne aux rennes, comme ça. Je le trouve trop, trop choupinou. J'ai pris un petit chien. Alors ça, c'est principalement aussi pour ma pépette. Elle est très, très fan des animaux, des chiens, des chats. Donc ce petit dalmatien comme ça, voilà, comment vous dire que c'était le craquage. Moi, je suis très fan aussi de Fifi, Riri et Loulou. Et il y avait
une petite suspension où ils sont en train de décorer le sapin. Donc voilà, j'ai pris celle-là. Et alors, dans une boutique, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, ils avaient laissé juste à un endroit une seule déco d'Halloween. C'était une déco d'Halloween de Fifi, Riri et Loulou. Donc autant vous dire, et elle fait de la petite musique, une petite boîte à musique, et voilà. Donc évidemment, je l'ai pris. Je pouvais pas ne pas la prendre, mais c'était complètement inespéré de retrouver juste un truc d'Halloween, donc et puis de mes trois personnages chouchous. Donc je me suis dit, bah non, mais trop trop bien. Donc voilà, j'ai craqué sur celle-là. Ma petite puce, elle est revenue avec une peluche de Lady dans une petite couverture. Je ne l'ai pas à côté de moi, donc je ne vous la montre pas. Et puis, en fait, on s'était vu tous les Toy Story avant. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un an de ça, ma fille n'avait vu aucun Disney. Elle était complètement contre, en mode « j'aime pas les princesses, je veux pas voir de princesses, moi j'aime que les animaux ». Donc j'ai dit mais non, mais quand même. Donc petit à petit on a commencé par le Roi Lion, enfin vous voyez, on a commencé par les 100 Dalmatiens, l'histoire avec des chiens, donc comme ça on l'a ambiancé un petit peu dans ce qu'elle aimait déjà. Et puis vous voyez, avant de venir, on s'est fait toute la série des Toy Story aussi, donc elle était complètement fan, elle a adoré les Toy Story, et elle a adoré ses personnages, et on lui a trouvé un petit porte-clés. Je ne sais plus du tout comment s'appellent ces petits bonhommes verts. C'est le grappin. Le grappin! Oh! Est-ce que c'est marqué? C'est Alien. Il marque Alien dessus. Et je suis vraiment contente d'avoir pu lui trouver un petit... Vraiment un truc qu'on venait de voir et qu'elle avait vraiment apprécié. Il y avait des gros Buzz l'éclair et elle était là. Waouh, le gros Buzz l'éclair, mais... C'était pas un petit souvenir, le gros Buzz l'éclair, c'était vraiment carrément un cadeau de Noël. Donc on a dit qu'on voulait bien lui prendre, mais ça remplaçait un cadeau de Noël. Et là, ça pleurait, tout ça. Donc on s'est dit, bon, allez, on va trouver autre chose. T'inquiète pas, il y a de quoi faire, on va trouver autre chose. Donc on l'a trouvé, la petite Lady. Et puis pour Noël, on lui offrira aussi son petit porte-clés. Voilà, donc ça c'est pour Disney. Donc vous voyez, j'ai été vraiment vraiment raisonnable, hein. J'ai pris quatre petites décorations, mais je pense que le petit sapin que je vous ai montré au tout début de la vidéo, je vais complètement le refaire et le faire en mode Disney, parce que j'ai aussi 2-3 décos que m'avait donné ma maman autour de Disney. Donc en fait je vais faire un petit coin Disney, ça va nous rappeler ce moment-là. Et puis surtout, vous savez, le gros Jack avec son sapin. En fait, quand on était à Disney, on s'est fait prendre en photo avec Jack déguisé en Père Noël. Donc, je vais sortir la photo, l'encadrer et puis la mettre avec la figurine de Jack et de Zéro. Et ça va être juste carrément génial. Ça va faire un super souvenir. Je suis trop contente. Franchement, vous allez vous dire, mais c'est une vraie gamine. Mais en fait, qu'est-ce que ça fait du bien? Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'être un vrai gamin de temps en temps, franchement. Voilà, ça fait partie des petites joies de la vie et ça fait partie des petits moments où on se dit « Ouais, chouette, on va pouvoir faire ça, c'est super. » Ensuite, donc, on est allé à Paris. À Paris, je suis passée devant le jardin de Mademoiselle, mais on n'y est pas rentré parce qu'il y avait le goûter de Caro, donc je voulais pas déranger, tout ça. J'aurais adoré lui faire un petit bisou, mais c'était pas le bon moment. Et on est allé, ensuite on s'est baladé, on lui a montré la Concorde, on lui a montré les Invalides, on a fait beaucoup de choses, on a marché pendant une bonne heure à pied pour lui montrer tout un tas de bâtiments en fait célèbres. Et puis on a repris le métro pour aller dans une petite librairie, un petit café japonais que moi je suis sur Instagram. Ça s'appelle, la librairie s'appelle le Renard Doré et le café s'appelle le Renard Café. C'est les mêmes personnes, en fait, ils se sont associés pour créer aussi en plus un café. La librairie existait en premier, et ensuite ils se sont associés pour créer le café autour de l'univers japonais. Et donc j'ai renoué avec le manga, mais ça faisait déjà un an là que j'avais renoué. Par contre, les personnes qui nous ont accueillis étaient absolument adorables. Pareil, je vous ai filmé, donc n'hésitez pas à aller voir le vlog pour voir l'ambiance aussi, parce que
L'ambiance est absolument magnifique. J'adore leur tapisserie à fleurs. Maintenant, j'ai envie de mettre de la tapisserie à fleurs dans mon bureau. Voilà. Ça faisait un moment déjà que j'en avais envie, mais là, ça a confirmé mon envie. Donc, en fait, on a vu vraiment de très jolis, un très joli décor. C'était très, très sympa. Les personnes nous ont accueillis, mais avec une gentillesse. Moi, j'ai parlé à une jeune fille. Je lui ai dit que ce que j'aimais en termes de manga, ce que j'avais envie de découvrir des petites nouveautés aussi. C'est pour ça, c'était le but d'aller dans la librairie. C'était aussi de se faire conseiller des nouveautés, des choses par rapport à mes goûts que moi, sur lesquels je serais passée, je n'avais pas demandé conseil. Et je suis ressortie donc avec... Bon, alors ça, je connaissais. Hein. J'ai le tome 1 et le tome 2, de minuscules, je voulais le tome 3. Donc, tant qu'à faire, autant l'acheter dans une librairie. Et j'adore, hein. C'est hyper cosy. En fait, vous pouvez ne lire qu'un seul tome. Vous n'avez pas du tout besoin de lire tous les tomes. Il en existe, je crois, actuellement entre 8 et 10. Entre 8 et 12, hein, je crois. Je crois qu'il y en a 12 actuellement. Et c'est pas fini, la série continue, mais en fait on s'en fiche parce que ça peut être considéré comme des one-shots, c'est-à-dire une histoire à part entière par livre. Et même à l'intérieur du livre, vous avez plusieurs petites histoires qui ont un début et une fin. Et en fait, on suit deux petits personnages qui sont pas plus grandes que trois noisettes, si vous voulez. Voilà, ça doit faire à peu près cette taille-là. Et elles vivent dans la forêt avec leurs copains, il y a une ville, il se passe des choses. Et en fait, on les suit dans leurs petites aventures au quotidien. C'est une lecture extrêmement douillette, confortable, qui met du baume au cœur. C'est un petit bonbon sucré qui fond sous la langue. Voilà, ce livre minuscule, c'est chouette, je suis trop contente d'avoir découvert ça. Je vous le conseille si vous avez envie de passer un moment douillet. Alors ensuite, je ne l'ai pas lu encore. Hiraya Sumi, c'était un de leurs coups de cœur. C'est un jeune homme de 30 ans et sa cousine qui reprennent la maison de leur grand-mère à la campagne. Et elle m'a dit, voilà, c'est un peu c'est un peu aussi cette idée de lecture cosy, douillette, très agréable, on en ressort réchauffé et content. Je ne l'ai pas encore lu, mais on me l'a chaudement recommandé. Happy Marriage, il y a une série sur Netflix que je n'ai pas vue, mais pareil, mon amie Claire me l'a vraiment conseillé. Et comme elle me l'avait conseillé en tant que série, je me suis dit que ça pourrait être sympa de lire aussi le premier tome, au moins du manga, pour me faire aussi une idée de ce que c'est. Et ça faisait partie également de leur coup de cœur, hein, au Renard Doré. Donc elle m'a dit très chouette, très sympa à lire, des personnages un peu dans le thème, alors toujours la romance, parce que moi je reste dans la romance, hein, il me faut de la romance. La vie est assez compliquée comme ça, quand je lis, j'ai envie de romance. J'ai envie de trucs sympas qui se terminent bien, voilà. C'est un peu, c'est cosy, ça se termine bien, et il y a de la romance, et il y a des beaux sentiments entre de belles personnes. Et donc, My Happy Marriage, il y a une idée aussi un peu fantasy, puisque les personnages, visiblement, ont des pouvoirs magiques, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, à voir un petit peu ce que ça va donner. Je ne l'ai pas encore lu, mais il me tarde de le commencer. Elle m'a conseillé également... J'ai pris tout ce qu'elle m'a conseillé, mais j'avais vraiment envie de nouvelles découvertes. J'avais vraiment envie d'évasion. Le vendeur du magasin de vélo. Donc c'est une histoire naissante entre une jeune fille d'une trentaine d'années et un jeune homme de 26 ans qui répare les vélos. Lui, il est un peu brut de décoffrage, il fait un peu voyou, elle est très timide, elle arrive pas à dire non aux gens, donc c'est un peu compliqué. Et puis ils se rencontrent parce qu'elle fait du vélo, son vélo casse, enfin bon, il y a une histoire comme ça autour. Il l'invite à déjeuner, ils vont se revoir au fur et à mesure de leur petite vie, en fait, de leur vie, voilà. C'est comme une tranche de vie. J'ai trouvé ça très chouette, j'ai fini de le lire, celui-ci, donc je l'ai trouvé vraiment sympa. Et ça m'a donné envie de lire le tome 2. Et puis, ça c'est moi qui l'ai choisi comme une grande fille, toute seule. À tes côtés, je sais pas, j'ai été inspirée. Alors là, on est dans le... Parce qu'au début, je voulais pas des trucs trop lycéens, parce que bah, j'ai plus trop l'âge, quoi. Et puis, en même temps, j'aime bien aussi de temps en temps. Donc, j'ai quand même craqué. Vous voyez, les personnages des autres mangas sont des personnages plus âgés. Ils ont tous une trentaine d'années. Ici, on a des personnages qui sont encore des lycéens.
un jeune homme, en fait, je l'ai lu, j'ai fini de lire le tome 1, je me suis commandé la suite. C'est un personnage, c'est un garçon qui est tellement en manque d'amour, enfin, il a vraiment de l'amour à donner, il cherche vraiment à... Voilà, on sent qu'il a de l'amour à revendre, qu'il a de l'amour à donner, et qu'il a envie de se consacrer à ça. Et une jeune fille qui ne sait pas trop ce que c'est que l'amour, qui ça l'intéresse pas vraiment, et puis c'est une jeune fille qu'on dit entre guillemets ordinaire, sauf qu'en fait elle a rien d'ordinaire, parce que ce que les gens considèrent comme quelque chose d'ordinaire, en fait elle est extrêmement présente pour ses amis, elle n'est pas du tout envieuse, elle a quelque chose d'extraordinaire dans sa façon de voir le monde et d'interagir avec les gens qu'elle aime. Et lui, c'est quelque chose qu'il va voir directement, en fait, plus il va passer de temps avec elle, plus il va être admiratif, en fait. Et j'ai beaucoup aimé la fin, parce que justement, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, mais tu te rends pas compte, mais t'as rien du tout d'ordinaire, en fait. C'est pas une question de physique, c'est une question d'être, de comportement. Parce que lui, c'est un beau gosse qui est sorti avec des filles très jolies, mais ça allait pas. Il est un peu bizarre dans sa façon de faire. Parce que justement, il a beaucoup d'amour donc à donner, donc il est très en demande en fait de passer du temps avec la personne avec qui il a envie d'être, etc. J'ai beaucoup aimé, voilà, ce que je vous disais, c'est qu'à la fin, il lui dit qu'en fait, elle a absolument rien d'ordinaire, parce que toute sa beauté, en fait, tout ce qui est que lui trouve complètement extraordinaire, il la trouve complètement extraordinaire parce que elle a cette façon d'agir avec les autres qui la rend complètement extraordinaire. Voilà. Je l'ai trouvé vraiment très sympa. Enfin, ça m'a, cette fin m'a conquis pour lire la suite. Donc, je vous en dirai plus quand j'aurai lu la suite, mais en tout cas, ça m'a bien emballée. Alors, au Renard Doré, la librairie, j'ai également acheté le puzzle de Mémoire de la forêt. C'est un puzzle 500 pièces, donc je pense que je le ferai avec ma pépette. Alors on a tout l'univers de Mémoire de la forêt. Mémoire de la forêt, attendez, bougez pas, me revoilà. C'est une série de livres. Ici vous avez le tome 1, il y a le tome 2 et le tome 3 qui sont sortis. Le tome 3 est sur le thème de l'hiver, justement. Ici on est sur le thème de l'automne. Je ne les ai pas encore lus, en fait je l'avais acheté pour l'automne, je voulais vraiment le lire pendant les vacances avec ma fille et ma maman, et c'est passé tellement vite, en fait nos semaines sont tellement remplies, je me rends pas compte, j'ai toujours l'impression qu'on va avoir du temps, et en fait du coup on l'a pas lu, j'espère qu'on va le lire justement cette semaine qui arrive, puisque ma maman vient nous voir. Et donc, j'adore les illustrations. Il y a des illustrations aussi, quelques-unes à l'intérieur, vous voyez. Par exemple, ici. Je trouve ça très chouette. Et d'ailleurs, au Renard Doré, il y avait, j'ai trouvé ça super joli, des grandes affiches sur les murs de Mémoire de la forêt, qu'on retrouve à l'intérieur du livre aussi. Je trouvais ça vraiment très beau. J'ai oublié de leur demander s'ils les vendaient. Vous pourrez leur envoyer un petit message sur Instagram, ou si ça vous intéresse, faites-le. Mais j'ai trouvé ça assez chouette. Et ils ont sorti également... Alors, ils, je ne sais pas qui c'est. Ah, mais c'est le Renard Café. Je leur ai demandé, en fait, quand j'étais au Renard Café, ils ont sorti des thés et des infusions. Ici, vous avez Mémoire de la forêt, le secret de l'automne, c'est une infusion. Et vous avez Mémoire de la forêt sur le thème, je sais plus, je crois que c'est le printemps et l'autre c'est l'hiver, ou l'été et l'hiver. Et vous avez, les autres sont deux thés. Je ne savais pas que c'était... Moi je l'ai acheté au Renard Doré, je savais qu'ils l'avaient, donc de toute façon j'avais vu. Hein. J'avais vu qu'ils avaient le puzzle et j'avais vu qu'ils avaient les infusions, donc je m'étais dit chouette, chouette, je les achèterai là-bas. Mais en fait apparemment c'est eux qui les font aussi. Et quand j'étais au café, j'avais très envie de goûter celui sur l'hiver. Et je leur ai demandé s'ils le faisaient goûter. En fait, ils le faisaient pas goûter. Donc, du coup, je pensais pas que c'était eux qui avaient fait, justement, qui s'étaient associés pour le faire. Je leur poserai la question sur Instagram. Et au besoin, si jamais je me suis trompée et que c'est pas eux, je vous le noterai juste en dessous en barre d'infos. Voilà, donc je l'ai goûté. Il est super bon. Voilà, super bon. Celui-là, il est pomme, raisin, cinarodon.
Écorce d'orange, coin, bâton de cannelle, arôme de morceaux de citron et vanille. Il y en a un qui a du sucre à l'intérieur. Moi, je suis pas très fan quand c'est sucré. Celui-là n'en a pas. Donc voilà. Super. Et petite précision, si jamais vous vous posez la question pour lire Mémoire de l'Euphorèse, le tome sur l'hiver, il faut avoir lu les autres tomes avant. J'avais bien regardé, en fait, c'est vraiment une histoire qui se suit aussi. Il ne faut pas louper l'ordre, en fait. Il faut les lire les uns à la suite des autres. Ensuite, on est donc allé manger. Après avoir fait nos petites emplettes livresques, on est allé manger au Renard Café. J'ai pris une boisson dont je serais complètement incapable de vous dire le nom, mais il y avait des brisures, c'était à base de lait de riz avec des brisures de riz et puis un petit gâteau sucré-salé à l'intérieur. Donc quand on buvait, on avait des petits du sel un petit peu qui revenait de temps en temps. C'était trop trop bon, très bon. Et j'ai goûté le meilleur mochi que j'ai jamais mangé. Il était au café. Mais j'étais curieuse parce que j'en ai mangé il y a quelques années dans les salons, quand je faisais les salons de Japan Expo, etc. Mais ça n'avait absolument rien à voir. Du coup, j'étais pas fan. Je me suis dit, oui, bon, ok, c'est mignon, ça change, c'est sympa. Mais en fait, c'est parce que j'en avais jamais goûté des vrais que je me disais ça. Et là, j'en ai goûté un juste extraordinaire. Vraiment. Donc, c'est le Renard Café à Paris. Si vous avez l'occasion, allez-y, faites-vous plaisir. C'était vraiment délicieux. Et je suis ressortie, alors je ne vous montre pas ma boisson et mon petit mochi, évidemment, je ne peux pas vous les montrer, mais ils ont un tote bag. J'ai complètement craqué sur l'illustration. Forcément, voilà, des petits renards qui servent le café dans une tasse, dans une théière en forme de maison, dans une maison théière, dans un café théière. C'est juste génial, regardez-moi tous ces petits animaux. J'ai demandé le nom de l'illustratrice parce qu'il n'était pas marqué dessus, ce qui m'a un petit peu chafouiné. Donc je leur ai demandé si je le retrouve et si j'y pense, je vous mets le nom parce que je l'ai vu sur Instagram. Donc je me suis abonnée à son compte et je vous mettrai son compte Instagram en dessous. Voilà, je vous montre un petit peu plus près. Voilà. Et la toute dernière chose que j'ai prise, c'était à Orléans. Il y avait un Bouchara, j'en ai un aussi à Toulouse, pas très loin. J'y vais de temps en temps, il est plus petit. Et puis là, je suis passée devant, je l'ai vu, donc je me suis dit, bon, j'en ai pour 3 minutes, je m'arrête et je le prends. Ce torchon. Ah, alors si vous avez la grosse étiquette en plein devant, ça va pas le faire. Avec la petite maison en haut et les petits écureuils en bas. Voilà, donc j'ai trouvé ces petits écureuils, j'ai très très envie, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis des années, de faire un torchon, aussi de vous proposer des torchons. Des torchons, ça j'en utilise beaucoup, en plus ils sont exposés forcément, ils sont dans la cuisine, puisqu'on les utilise pour nettoyer la vaisselle, pour nettoyer la table, pour enlever les miettes, enfin bon, on les utilise quotidiennement dans la cuisine, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est sans arrêt pendu, sans arrêt là, et ça fait partie de la déco finalement. Et j'aimerais vraiment pouvoir vous proposer un petit produit comme ça. Ça fait déjà 2 ans que j'y pense, j'arrive jamais à trouver le bon motif, mais là j'ai quelques idées qui me trottent dans la tête pour l'an prochain. Voilà, donc en tout cas, c'était la dernière petite chose que j'ai achetée de notre fameux périple de 4 jours et demi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce petit moment ensemble vous aura mis des petites paillettes dans les yeux. Moi, j'étais vraiment contente de vous partager tout ça. Je suis très très contente, vraiment, ça m'a reboosté vraiment ce week-end. Ça faisait, en plus on prend jamais de vacances, donc partir comme ça, tout laisser, pas regarder le téléphone, enfin si j'ai pas regardé le téléphone, mais voilà, pas trop, j'avais prévenu tout le monde que je serais pas là et du coup c'était cool, vraiment vraiment c'était chouette, ça a été un très très beau moment et j'en garde des beaux souvenirs dans la tête. Et du coup on aura aussi des beaux souvenirs tous les Noëls à ressortir et pour Halloween à ressortir, et ça va être vraiment super. Je vous souhaite à tous une bonne journée.
Bye bye et prenez bien soin de vous.